Hop. Regarde un petit peu. Il y a un petit peu de monde en plus dessus. Ok, nous on devrait être dans le coin aussi, je pense. Sur Mario Kart 8, voilà. On devrait pas tarder à apparaître, je pense. Voilà. Donc on se retrouve sur Mario Kart 8. Toujours avec l'essai donc du Switch Up. C'est, on est là maintenant. Voilà. Donc vendu à 38,99€ en magasin. C'est un adaptateur pour manette. Donc à brancher sur la Switch en USB, c'est une petite clé. Et en fait, avec l'appairage Bluetooth, elle repère les manettes donc de PS4, PS3, Xbox One, 360, Wii U. Et en fait, du coup, bah voilà, la manette de PS4 là, ici, qu'on a pour jouer tranquillou dessus. Donc on fait le test. Ce matin, ça s'est bien passé. Hein, voilà. Oui. Ouais. Voilà, c'est bon, du coup. Alors. On va prendre un petit Mario Tonichi, tiens, c'est mignon. Ok. Comme ça. Et comme ça. Avec le petit planeur rose, c'est mignon. Allez, on est ready. C'est bon. Oui, oui. Du coup, les touches, c'était bon, bah, accélérer, alors, freiner. Accélérer, bon, donc diriger. Ouais, les, les freinages, c'est, enfin, les virages, c'est avec R. Aussi, et puis lancer les objets. L avec les objets, ok. Ça change pas de Wii. Oui, c'est classique en soi. C'est juste qu'il y a des bonus en plus. Ouais. Avec les DLC offerts dans cette version. Plus, ouais, tout avait été inclus. Je t'avais expliqué lors d'un live. Ouais, ouais, ils avaient rajouté tout le contenu Wii U en DLC gratuitement sur celui-ci, voilà. Et des petits patchs gratos en plus, je crois. Ah ouais, bah la DLC en gratuit et tout ce qui est Breath of the Wild. Utilise actuellement. Ok, ouais. Ok, faut vraiment que je reprenne, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart. Ah ouais, ça va, j'ai l'habitude là. Ah. Ah, c'est moi que t'as eu. On va viser la pièce, ouais. Ok. Par rapport à... Ouais. La gauche. On va essayer de pas rater. Ouais, on pousse 300 quand même, je pense. Ça essaie de me prendre l'aspiration là. On peut l'essayer. Pff, il est pas passé loin. La carapace verte, elle est vraiment pas passée loin. Celle-là, je vais la prendre. Mais bon, je l'ai pris en l'air, c'est pas trop grave comme ça. Eh, c'est vrai qu'il y avait les figures, c'est en secouant la manette, c'est ça, les figures. Faudra que je teste ça. Ça va être introduit sur Wii, je crois, déjà. Celle-là, je vais la prendre. Ah, on est le premier. Ouais. Mais là, du coup, si le karma paye... Non, je me prends encore une roue. Non, ça va. Je me suis dit, il y a peut-être une bleue pour toi, du coup. Ah, ça peut arriver. Ah bah oui. Bah non, je me suis bien loupé sur celle-là. Ah, par contre, là, la bleue, elle arrive pour toi. Non ! Sur la ligne ! Et voilà ! Ça va. On commence déjà à manger le podium. C'est le plus important. Hop là, on va mettre là-dessus.
Hop, je recule un petit peu moi. Hop, on va faire tomber ça. Ouais, non, c'est surtout pour le petit appui. Il y a un peu de place devant, si tu... C'est pas trop bon, mais normalement le jeu contient à capturer. On n'entendra juste pas pendant un petit moment, mais le jeu y a toujours le son. Du coup. Et oui, ça capte aussi le gyro, du coup, pour que je le dise. Ah, on peut plus remonter sur ça, avant on pouvait. Ouais, on va peut-être faire ça. Hop, alors du coup. Si le micro est revenu, nickel, le micro est revenu. Vas-y, on peut relancer du coup. Ouais. Ah, c'est sympa. Alors, on va relancer, voir. Vas-y. Ok, puis on a le... Alors, j'ai juste pas le son du jeu dans le casque là tout de suite. J'ai dû faire le monitoring, mais c'est pas grave. Le son se capture bien sur l'appareil. Donc, vous m'entendez tout ça, on est bien. Ça, c'est pour mon cul, ça, non? Non, ça va. Ah, celle-là, c'est... Ça, celle-là, c'est pour toi, ouais. Elle arrive à pleine vitesse, là. Après, t'as, en soi, t'as quand même pas mal d'avance, là. Ah, quoi que je te vois là-bas, ça t'a bien ralenti. Ouf, j'ai pris une explosion, c'est toi avec une bombe, non, c'est ça? Ça. Ça va, moi j'ai été immune, ça m'a immune à la carapace rouge, je vais pas trop m'en plaindre au final. Toi, t'as été gagnant. C'est ça. Donc du coup, ouais, pour dire, il y avait eu le petit bug son. Le gyroscope de la PS4 est bel et bien reconnu et fonctionne nickel avec la, avec par rapport à celle des Joy-Con en fait, hein, sur la reconnaissance du Switch Up. Dire que vraiment en secouant la manette, quelle banane. En secouant la manette, j'ai vraiment eu le... la figure qui s'est fait tout ça. Ouais, mais ah pas, attends. Ok, c'est ça. Alors du coup, on va essayer de faire le petit réglage là. Alors c'est pas le son qui est trop bas à mon avis. Hop, paramètres, audio. Ça c'est bon. Oh, tu peux lancer en soi, c'est pour... Ouais. Hop. Ici. Hop. Et du coup, hop, capture du jeu. Voilà qui est revenu. On l'a sur le monitoring comme ça. C'est bon. Mais il y avait déjà le son en fait, c'est que j'avais plus le son du jeu moi dans le casque, mais ils avaient toujours la voix et eux il y avait toujours la capture qui modulait, donc on était bon en soi. Merde, je suis parti en marche arrière. Je me suis dit c'est X accéléré. Apparemment, c'est ça qui est assez marrant avec la mémoire musculaire et tout ça, c'est vraiment de se dire qu'en fonction de la manette que t'as dans les mains, t'as vraiment des réflexes qui se font tout seul quoi. Je sais que le A il est sur la droite sur la Switch, j'ai jamais de problème avec ça, mais directement dès que tu sens que c'est le manette PS4 ou PS3, tu vas chercher ta validation sur la croix quoi. Voilà, donc vous voyez, je secoue, c'est bien passé. Ouf.
Oui, j'en ai profité pour te ralentir encore un peu plus. Il y a un complot. Il y a un complot. Tout le monde vise Link. Celle-là, je vais la prendre. J'ai pas eu le temps de me protéger derrière là-bas, même là-bas. Ça me redonne ma petite avance. Ok, ça, ça passe bien. Ça, ça passe mal. Ok, ça va être serré. Oh oui, je l'ai dodge. Il y a vraiment un complot contre toi. Parce qu'en plus, je t'ai grillé à la dernière seconde, mais elle t'avait déjà lock. Ah, c'est serré du coup, hein. Ça. Bah ouais, c'est drôle. Du coup, on voit plus les mobs par contre. Enfin, à un moment, je crois qu'on a rattrapé le dernier en fait, sur la map d'avant. Celle-là, je m'en rappelle. Je l'ai trouvé super sympa comme map. T'es vraiment pas loin derrière. Oh non, je l'ai joué le rebond comme toi, mais j'ai eu l'orage. Par contre, c'est bien parce que je me gaffe sur tes pièces que t'as pu là. Ça redonnera un peu de vitesse à tout ça. Y'a un pote qui se réveille là. Ah mais là c'est une flambée, il y a eu genre 3... Putain, j'en reprends encore. Non, c'est foiré. Non. Oh non.
que je me dépêche, sinon je vais finir quatrième sur celle-là, ça me ferait mal. Non. Non. Si, c'est passé. Oh là, je vais... Là, par contre, je me suis foiré sur celle-là, je pense. Ouais, là... Ou moi, c'est la descente aux enfers, par contre. Et il y a un moment, j'ai pris 3 rouges sur l'espace de 10 secondes, je me suis fait fumer. Bon, ça va, on occupe le top du podium quand même. C'est ça. C'est ce qui compte. Hop. Ok, là. Bonjour. Bon bah du coup franchement ça réagit bien, que ce soit les sticks, la croix directionnelle, pas de problème. Il y a la fonction gyroscope pour les mouvements qui marche bien avec, c'est vraiment cool jusque là. C'est agréable, vraiment pour ceux qui ont l'habitude des manettes PS4 ou One chez eux et qui ont du mal à se faire à la manette de la Switch, c'est vraiment le bon compromis quoi, vu le prix. Et du coup ça rajoute un set de manettes pour à la maison quoi finalement. Ok, allez. Vas-y, ouais, je crois pas les avoir essayés en plus. Ah bah tiens, on a débloqué en plus une voiture, c'est sympa ça. Bon, elle a pas de vitesse, elle a de l'accélération. Mais... Peut-être revenir en... Ah non, je peux pas. C'est lui, il a vraiment pas grand chose qui donne de la vitesse en soi. Allez, hein. Alors, ah oui, en plus, ils te mettent une map des anciens et après, il y a des nouvelles. Putain, c'est sympa ça. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais, celle-là, elle était vraiment cool comme course. Sur GameCube, sur le double dash, ça rendait vraiment super bien ça. Avec le petit truc dans le tunnel et tout, ouais, là. Qu'elle avait une forme de Yoshi d'ailleurs, la course, je crois. C'est ça. C'est ça, ouais, voilà. Ok, on s'en débarrasse. Voilà, ça va faire mal. J'ai fait quasi un demi-tour là sur mon truc. J'ai trop insisté sur le déjà vu. Ah. C'est quand même pas très pratique. On a eu la télé qui a menacé de passer en veille. Une vilaine télé. C'est bon, allez.
Oh, c'est pour moi ça en plus. Oh là là, ça te met trop bien. Oh non, mais c'est une blague cette histoire. Bon ça va, je me suis quand même bien sorti parce que j'ai pris quand même sacrément cher encore à la fin. Ça c'est pour le karma de la rouge plus bleu que je t'ai mis tout à l'heure en fait. Je me suis fait un stand karma. Bonjour monsieur. Ah, ça c'est sympa ça. Ça c'est vraiment cool. Allez. Avec la musique en plus à l'ancienne, c'est sympa ça. Ah, c'est pour moi, c'est là en plus. Allez. Ça passe avec un tour, c'est peut-être encore jouable en vrai. Faut que j'arrive à jouer des pièces de ouf pour pouvoir garder mon avance. Nice. Oh le salaud. Je sais pas c'est lequel qui a fait ça, mais c'est un salaud. Oh non. Oh non. Ce seum intégral. Donne-moi ce qu'il faut. Non! Il fait ça tout dodge. Joli, joli. Du coup, tu dégages un peu d'avance là, du coup, comme ça. Mais je manque un peu de vitesse de pointe. Quand j'arrive à me détacher, du coup, je prends pas assez d'avance. Il y a qu'à 3 tirés en vitesse. Alors, celle-là, par contre, je ne la connais pas du tout. Elle est plutôt jolie, je trouve, j'aime bien le design. Oh putain, merde, je suis resté appuyé quand même.
Ah oh merde, il y a ses carapaces autour. Ah mais il y a une espèce d'assistance qui t'empêche de passer sur les extérieurs pour couper. Ah d'accord, ok. Eh merde, tu fous comme un con. Ouais. Ah, j'ai pas mal de retard sur toi. Faudrait que j'arrive au moins à rattraper la deuxième. Ça va même être chaud. Ouais, c'est sûr. Quand on a l'habitude des circuits, ça passe toujours mieux, mais là. J'aurais déjà de quoi flinguer en soi le deuxième. Oh là là. Le jeu m'en veut, je pense, à un moment. Ah, lui, je l'aurais pas. Quelques. Ouais. Bon, c'est pas... Mais c'est sympa de découvrir des nouvelles courses sur un Mario Kart du coup, parce que finalement j'avais testé sur Wii U à l'époque sans DLC. Du coup, de tester les nouvelles courses comme ça, c'est sympa, ça change un peu. Et ils ont pas parlé d'en faire un neuf, un inédit sur Switch, vraiment pas en remake mais en neuf. Ouais, d'accord. Il y a aussi la version portable aussi sur téléphone qu'ils ont prévu, je crois. Ah bah là par contre, c'est la même que dans le F-Zero du coup, Mute City. Ah putain, ça c'est bon ça. Avec la musique en plus de Mute City. C'est vrai qu'à part les bagnoles, on se croirait dans du F-Zero. Ça si, ce serait bien qu'ils fassent revenir la licence sur la Switch. Ouais, ouais. Bah, même déjà à l'époque de la Wii, tout ça, mais ça avait pas pris. Sur GameCube, ouais. Je reprends sur dur piste. Ok. Ça se passe bien. Je te revois là-bas. Oh putain, le Wario qui est passé devant toi la dernière seconde. J'ai été un peu gris sur ce virage là. Ok, moi c'est un verre qui me rattrape un peu en soi. Okay.
Ah non! Ah, j'ai voulu tenter un raccourci, ça s'est retourné contre moi. Je crois que j'allais avoir un champi d'or en plus, mec. En deuxième place, ça aurait été trop beau. Oh, putain, le Wario qui m'a gratté à la dernière seconde sur le côté. Du coup, tu t'es fait une Catwin, toi. Tu t'es mis bien. Non, sont vraiment pas. J'aime bien la version Mario pour les pièces sur le côté du boost là pour le L0, c'est sympa ça. Ça rend bien. Ouais. J'ai regardé un peu la tranche des courses qu'ils ont mis parce qu'il faut jouer celles qu'ils ont mis en rétro, vite fait. Ça peut être. Si j'avais fait, c'est bah, le double dash hein, sur GameCube, on avait saigné avec mon frangin à l'époque. Alors par contre, on va partir sur un truc un peu plus... Allez, tiens, le Link. On va faire le combo Breath of the Wild, pareil. Archaeonic, tiens, ils sont là. Alors, la mine Wario qui était sympa, la route arc-en-ciel de Super NES des bars. À côté de Yoko, on a quoi d'autre sinon sur la droite? Le parc Baby et Pays Fromage, ouais. Et en dessous, c'était quoi? Coupa Police et la route Ruban. D'accord, ouais, ils ont fait des choix sympas. Il y a même Big Blue, du coup, encore une petite référence F-Zero, du coup. Bah, vas-y, choisis. Allez, c'est parti. Avec la mine Wario et le circuit d'Hyrule, on avait parlé qu'ils avaient fait un circuit Château d'Hyrule. Mais je l'avais pas vu. Je vais juste passer voir hop, où est-ce qu'on en est ici. Bah, je te remercie Against Evo pour le follow mec, c'est super sympa. Donc c'est encore là tout ça, c'est aujourd'hui c'est le test du Switch Up. Donc c'est une petite clé USB adaptateur Bluetooth en fait qui permet de foutre des manettes PS4, Xbox One, 3.6, PS3 en fait sur ta Switch. Donc tu branches la manette, la clé USB, tu appaires la manette avec le Bluetooth. Et à partir de là, tu peux jouer donc comme tu le vois avec une manette PS4, oula, le virage on le croit quand même, avec une manette PS4 en fait sur ta Switch. Et en fait, l'accessoire est vendu à 38,99€ au magasin jeuxvideo.fr à Saint-Quentin. Ça fait moins cher que s'acheter le set complet de Joy-Con, c'est clair. Oula, un peu large. Voilà. Ah, ça ralentit. Ah, t'es juste ressorti du ravin en fait, ok. Je suis pas trop loin de ça, ça va. Ouf, effet dur piste. On peut se rattraper là-dessus, c'est sympa. Ils ont un problème avec les éclairs aujourd'hui, les mobs. Les bots en balancent beaucoup. C'est la chaleur, ça les incite. Ah, t'as quand même une bonne avance encore. Hein. Ah bah tiens, regarde moi, ça peut tourner vite, on en parlait. Tiens, deux fois de suite, je prends trop large. Bah, je crois que j'ai récupéré un champignon que t'as laissé derrière toi. Salut.
Sauveresse. Ah t'es quand même déjà presque à la sortie du combiné, enfin du truc avec les chariots là. Ah. J'ai du mal à me remettre sur les motos, ça fait bizarre le changement moto-carte. Hein. Je suis sur des cartes depuis tout à l'heure. Hein. Ben ouais, c'est le temps de reprendre les dérapages pour le moment où ils se mettent à bien. Sur les cartes, c'est quasiment instantané où tu prends le truc. Avec les motos, t'as un petit temps et après ça braque d'un coup. C'est ça, ouais. Mais par contre, tu vires plus sec et ça, c'est cool en soi. Et du coup, je me rappelle pas avoir testé. Faudra essayer, c'est la route arc-en-ciel de celui-là. Sur le... Je me rappelle pas l'avoir essayé, la route arc-en-ciel de celui-ci. Ah, mais celle de l'épisode Switch sur les 4 premières coupes que j'avais pas testé. C'est celle de Super NES, celle-là, l'air rincé étant petit. Ah bah moi je pensais être. J'étais à la limite, hein, j'avais un morceau de roue qui dépassait. Entre les deux en mode Fast and Furious. C'est ça. Bah je donne du spectacle quand même. Faut se donner pour les followers quand même. En plus t'es pas encore trop loin, ça va. Oh ça t'a sauvé. Ça t'a sauvé de ouf. Allez, oh putain ça allait pour moi. Non c'est celui d'avant, ça va. Un peu. Trop short. Ouais, j'ai tenté, mais faut vraiment y aller au champot sur celui-là. Et puis là, du coup, ouais, je vais me prendre un sacré retard. Même l'autre qui a bouffé mon aspi à la fin, c'est lamentable. Ça se remonte, ça. Ouais. Mais allez. On va enchaîner ça. Va falloir que je remonte un peu le niveau quand même. Ah puis là c'est des neufs du coup. Ok. Ah oh, putain mais je reste. Faudrait que c'est à partir de 2 qu'il faut commencer à appuyer. Bah 2 mais pas tout. Ouais. Ok, alors. Alors. Ah d'accord, c'est sympa les pistes en différé comme ça les deux à chaque fois en fait. On va tenter l'autre du coup. Oh.
La décale était pas suffisante, j'avais pas l'espace pour la faire. Ok, donc du coup, hop, ici. Ok, je suis pas trop loin, ça va. C'est bien, je récupère deux champottes au sol d'un coup. Ah, ça t'a immunisé, putain, je suis dégoûté. Non, je peux plus repasser au-dessus. Ah, j'aurais dû attendre, c'est vrai que ça traverse pas. Ah, si! Ouais, non, mais t'as trop d'avance, ça t'arrêtera pas. Bon, je vais refaire un petit. Pendant 2 ans, j'ai sué là. C'est ça. Ouais, comme ça, je repasse au-dessus de la pitch d'or quand même. D'accord. Ah, c'est joli quand même. Ça fait un peu musée, tu sais. Voilà. On va traverser. C'est vrai que c'est les rubis, oui. Ah d'accord, ça... il faut toucher les trois bumpers pour l'activer, c'est ça ? D'accord, ok, ça c'est sympa ça. Parce que j'ai entendu le bruit des énigmes de Zelda, du coup en même temps c'est marrant que tu le fais. Ok. Oh non, ça passait quand même, je suis deg. C'est cool ça, moi ça me fait plaisir. Ok. Oh, la saloperie. J'avoue. Toute banane c'était. Non, l'autre carrière avec son klaxon en plus. Tu sais que je me suis fait rattraper par tout le monde non plus, donc... Et la pitch d'or du coup m'a bouffé en plus du coup moi. Ça va.
Non, c'est vrai que ça rend bien ça agréable, hein, de toute manière, avec une manette comme ça. Hein. Les custom, et tu peux racheter des pièces du coup avec enfin des éléments de custom, ouais. Un certain nombre de pièces, tu gagnes. D'accord. Ok, c'est sympa ça. Alors, on va changer de perso un peu. Qu'est-ce qu'on aurait de sympa à tester? On va essayer un tiens une bébé Peach, allez. Quad là, on équilibre. Allez, comme ça, c'est bien. Et donc, les courses du bas, c'est que des. C'est quoi en fait? Les 8 sont nouvelles sur les premières. Ah non, d'accord, celle du bas, c'est des full rétro en fait. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Allez. Bonne journée à vous, au revoir. Ah, le parc baby. Ah, ils te le mettent entièrement sur roulette, ouais. C'est marrant ça. Ah, un peu trop tôt. Étoile qui arrive devant. Ah, t'es en Inkling toi. La musique, elle commence à s'accélérer dès le tour 3, ça devient complètement fou après, t'sais. Il y a beaucoup d'étoiles là qui sortent. Hein. En fait, c'est tellement le bordel avec la taille du circuit, tu recroises les autres, tu sais pas vraiment où t'en es tant que tu regardes pas en bas. Ça fait du bien une petite victoire. J'ai enfin cédé sur une course d'aide. Non mais après c'est là. C'est... Je veux dire là c'est vraiment que de l'objet, de la luck et de pas louper tes virages quoi, c'est tout. C'est pas. C'est assez basique mais c'est fun. Mais elle était marrante sur GameCube à plat aussi en mode Formule 1, c'était assez drôle ça. Bonjour. Ouais. Sur GBA, je l'avais eu aussi, il était sympa. Ouais, ça tournait aussi. Quand même pas mal. Hein. Oula. Allez, on va remonter ça quand même. Ok, il y a un jump. Ah oui, d'accord, les petits trucs comme ça, c'est des jumps. Hein. D'accord, ok. Un
petit cadeau de ma part. Hein. Oh, ça me fout dans le tirage, ça. Oh, le move de merde. C'est moche. Ok, ça passe bien ça. Ouh là, la double rouge, plus la bleue. Cette double rouge plus la bleue, oh, ça me met tellement mal. Mais il y en a un qui est en train d'arriver en missile. Pile sur la fin, je vais me faire avoir. Du coup, il m'a gratté sur la fin l'autre aussi au passage. Ouais, au revoir. Ouais, parce que du coup, juste après la bleue, il y avait le rouge. Et en fait, le Ludwig qui est arrivé derrière, en fait, en roquette, juste derrière moi à ce moment-là, ça fait très mal. Elle est jolie cette map. C'est la forêt Mascasse, ça c'est ça? D'accord. Ah oui, la map des 4 saisons c'était énorme. Elle est mignonne comme map, je trouve. Ah, le karma se retourne contre toi, c'est toi, c'est ça? Ouh, l'étoile, elle tenait bien, je pense, là, quand même. Deux étoiles, tu prends. Tu t'es gavé sur celle-là, ça te met bien. J'ai. Je les cancel ta rouge, j'avais une banane.
Ok. Ouf, ouf. Oula. Faut vraiment que je finisse avant que la bleue arrive. En soi, j'ai quand même pas mal d'avance, mais. Oui. Je suis passé. Sur la ligne. On est toujours sur le haut, ça va. Du coup là ça va être la petite dernière déjà de course. Ok, ok. Et du coup c'est celle-là la Animal Crossing. Ils ont mis deux Animal Crossing du coup. D'accord. Ah bah là oui, pas de doute. Ah d'accord, t'es devant moi mais elle t'a esquivé. Ok. Oh, ça t'a encore comme celle du coup. Oh ouais, celle-là je la prends du coup aussi. Allez, le karma qui revient pour moi. Oh non. Puis du coup j'ai plus une seule pièce en plus hein, ça. Ça m'a vraiment pas mis bien moi. Oh là là. Oh là là. C'est bon quand même. J'ai au moins eu la troisième. C'est moche parce que là, Ludwig qui m'a pris sur le petit virage à la fin. Ouais, ça c'est serré. Ouais. Du coup, faudra que j'essaye la route arc-en-ciel de cette version là. C'est à mon avis, elle doit être bien sauvage. Il reste encore une DLC ? Bon, on va faire ça, ouais. Du coup, on doit pas décrocher masse d'étoiles à chaque fois sur les coupes. Ouf, on est là pour le plaisir. Hein. Bon, en ce temps-là, ça avance pour le... Ça débloque des pièces, ça débloque du matériel, c'est toujours bien ça. Alors, du coup. Tester du Yoshi. Et le Yoshi rose. Ah ouais là avec le petit rose aussi, le parapente rose. Ah du coup avec Big Blue à la fin, ça va être sympa aussi ça.
quand on aura la musique. C'est pour ça que j'ai monté le son, j'ai préparé, parce que Big Blue et Mute City, c'est du culte niveau musical. D'ailleurs, ils avaient fait des super. C'est les, toutes les musiques de Smash Bros. À chaque fois, ils demandent à plein de compositeurs de les retaper, tout ça. Et les versions de Mute City, il y avait aussi la version de Gourmet Race de Kirby qui ressemblait limite à du F-Zero. C'était assez énorme, ça. F-Zero, il pourrait mettre un personnage qui fait un arc. Ouais, c'est vrai que du coup. C'est maintenant qu'ils ont commencé à ouvrir avec Link et tout. Ils sont plus à ça près, quoi, en fait. C'est ça. Ah, par contre, c'est vrai que s'ils relancent la série F-Zero sur Switch, je pense que je craquerai très vite. Ouais, je l'avais aussi le tout premier sur 64. Enfin, non, c'est le tout premier, c'était même Super NES, je l'avais. Ouais, c'était Super NES. Ouais. Qui a été réutilisé et abusé sur les Super NES avec. Tu peux te taper le haut de la pancarte du coup avec. Faut vraiment bien le doser, quoi. Je sais plus du tout, les tâches se sont mis parfaitement pour m'emmerder. Ok. Ouf. J'ai été visiter le banc. Aïe, comme tu dis. Ah tiens, il est repassé devant moi le Metal Mario, hein, du coup. Ok. Ça passe bien, ça. Oh, je me rappelle quand ils avaient ramené le poulpe là avec l'encre sur DS. En fait, ça te gênait pas du tout, c'était pas chiant. Mais après, ils l'ont amélioré là sur celui-là, c'est vraiment bien casse-couille en vrai. Et du coup, il y a toujours pas mal de monde en ligne en plus, je suis pas sûr que ça doit pas mal rouler. C'est sympa comme décor pour faire celle-là. Par exemple, Toy Story. Yeah, tiens, ouais, ça me fait penser. Même au niveau du shader, ça me fait penser limite au monde de Toy Story dans Kingdom Hearts 3, quoi, le truc. Un peu de ça aussi, ouais. Oula. Ah bah ouais, celui-là il était évident, mais au moins ça te la retire. Hein. Oh merde. C'est le karma. Et le Metal Mario qui est fâché là sur cette map, j'ai l'impression. Enfin sur cette coupe là, il est fâché depuis tout à l'heure. Ok, j'ai lancé une bombe et j'ai chopé deux personnes dedans et moi en plus. J'ai fait une triple bombe, c'était magnifique. Il y avait un côté un peu suicide aussi, mais c'est pas grave. Du coup là t'as une avance assez confortable du coup. Ouais,
Ah oui, c'était juste au bout du virage là-bas, t'es pas... Oh la vache, je me fais fumer mon gars. Ah, il y a une bleue qui arrive pour toi. Oh non, ça c'était très moche ce que j'ai fait. Oh, ouais, ça me refout dehors. C'est très moche là, ce qui m'est arrivé. Oh, tu viens seulement de passer, moi je le passe là. Ça se rattrape. Oula, oula, oula. Oh non. Oh non! Oh! Et l'autre étoile carré derrière! Oh là là! Je me suis fait karma sur la fin. J'ai tout remonté de la 5ème, je suis arrivé de 2ème et. Franchement, j'aurais pensé de faire gaffe. Ouais, moi aussi. Mais. Tant pis. Par contre, on se fait tous les deux manger par un bot. Hein. Falloir se remettre quand même un peu là. Mais c'est bien, s'il est un peu plus difficile que ceux d'avance. Je me rappelle les DS et Wii, tu roulais quand même plutôt facilement. Celui-là, il remet une petite difficulté quand même. Pour du 100 cc, c'est quand même déjà sympathique. Ouais, moi aussi, je chier bourré au volant. Mais faites surtout pas ça, les enfants. Ok, là, moi je prends une petite avance, c'est assez confortable. Des dérapages beaucoup trop tardifs et tout. J'ai vu le train arriver, j'ai une petite frayeur. Oh, ça c'est pour moi. Ça va être seulement pour moi. En pensant, j'ai encore pas mal d'avance, j'ai l'impression. Bloqué sur l'extérieur du train, c'était pas très agréable. Oh non 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 non. Ok, c'est bon. Oh là là, toute mon avance, je la perds là. C'est bon.
Là c'était serré hein, quand même. C'était un peu serré. Et du coup on commence à renvoyer le Mario Metal en bas, c'est bien ça. Il s'était mis trop à l'aise lui, on va le décrocher. Ah là, on fait péter le son dans les oreilles. Allez. Ah ouais, c'est bon ça, la bonne petite guitare électrique là. Pour faire péter le thème de Big Blue. J'ai tapé un déjà vu de l'espace moi. Ouf. Non. Trop sec. Trop gris sur mes virages. Il y a une carapace bleue qui est partie. Ah, elle arrive seulement, la vache. Il y a une rouge juste derrière. Ah, ça, je suis immunisé. Ça se passe bien. Ok. Ah, la musique elle motive de ouf en plus. C'est le genre de musique qui te passe en tryhard direct. Elle est vachement bien. J'aime beaucoup l'adaptation Mario Kart. Elle est très cool. Non vraiment bah c'est du coup je trouve qu'il rend vachement bien sur Switch parce que du coup on va sur Wii U c'était déjà pas mal. Mais sur Switch t'as déjà le petit affinage graphique, c'est pas grand chose, t'as tous les ajouts et tout sur le prix d'origine du jeu, c'est vraiment une bonne chose. Et bah avec une manette de PS4 du coup le Switch Up c'est hyper confortable quoi vraiment. C'est un super accessoire vraiment pour ceux qui arrivent pas à s'habituer aux manettes de Switch. J'ai des potes qui ont pris la Switch et j'ai un pote qui a des mains gigantesques. Et à chaque fois qu'il prend le truc il fait c'est vraiment petit machin et tout. Du coup ça c'est vrai que c'est bien pour ceux qui sont habitués à des bonnes manettes, les joueurs même de Xbox, tout ça, qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est vraiment pratique. Alors du coup on a fait les 4 courses en DLC je crois. On va tenter la petite route arc-en-ciel pour finir, soyons fous. Et je vais reprendre mon Yoshi, j'étais à l'aise avec, il était bien. Bonne configuration là, j'aime beaucoup. Alors du coup, ça a l'air franchement, ça a l'air des petites super courses. La voie céleste, le château de Bowser a l'air d'avoir une bonne petite gueule aussi. J'ai hâte de voir ça. Tiens. Bon, je sens que je vais me faire toller parce que je ne connais pas les maps, mais on sait jamais. Ah, va falloir sortir l'esprit du tryhard. Hein. On n'a pas le choix. Elle me fait penser à celle de Game Boy Advance, il y en avait des comme ça avec les haricots dans les nuages. C'est la version Switch du coup. Bonjour. Bah,
Alors, très large mais très cabossé, c'est assez drôle. Oula. Ah, il y a des orages qui tombent à des endroits en plus comme ça. D'accord, c'est stylé ça. Ouais, là. Ah, j'ai été bien servi. Oula. Après, j'ai très mal géré mon virage. Je l'ai pris aussi, comme ça on est deux. Attends, par contre, ça te fout pas très. Ah, bah si, ça te fout bien parce qu'il va vachement vite, je trouve. Oh, ça va finalement. Encore. Allez. J'aime beaucoup cette map. Hein. Ouais. Le design est sympa, le petit côté cabossé qui t'empêche de. A chaque fois ce virage, je me fais niquer, j'arrive pas à le prendre correctement. Toi qui as lancé une rouge, hein. Elle va m'attendre pile à la sortie là. À moins que ça l'ait distancé. Ça l'a distancé, je crois. Ah bah moi je l'ai pris. Ouais, sur cette partie-là, ils sont pas pratiques à caler, du coup. Une bonne ligne droite, ça passe. Bah, très sympa, j'aime beaucoup le design. Hein. Avec le petit bateau pirate et tout au milieu, c'est cool. Ah, il est stylé celui-là. Aussi le désert tout grâce. Ouais, on va me retrouver tous les jours au Bataclan. Le nouveau maître de la comédie est arrivé. Puis avec ça, tu mets les petits trucs hallucinés, 4 étoiles sur 5. C'est vraiment un génie de l'humour. Et ouais, la petite verte qu'attendait uniquement pour ça. Ah merde, j'ai jeté ma banane et c'était ma protec. Alors finalement. Oh non, mon chapeau pour le. J'ai un peu le seum là. J'avais le raccourci devant moi. C'est le karma, tu viens me brûler dessus après sur le cadavre. Ok. Ah,
Je me prends, je vais me la prendre en retour ma propre. Non, c'est bon. Ah, je t'ai eu quand même là. T'es serré, mais je t'ai eu quand même. Oh putain. Oh là là, ce que je prends du coup. Ça fait mal. Sur le dernier tour, ça pique. D'accord, on a fait un truc chelou, mais soit. Ok. Et du coup, on va égaliser. J'ai vu l'icône, j'ai eu la Rémi sur celle-là. Bonjour, bonjour. Ça va et toi? Salut, salut. Ça va bien? Non, c'est sale. Ok. Ça, ça a de la gueule. Ça. Ah, il te fait bouger les plaques en plus comme ça. Ça a l'air d'être... Le level design a l'air d'être très 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 sympathique. Alors... Oula, oula. Je me suis lamentablement foiré deux fois d'affilée en plus. Oh non, 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 non. Oula, il m'a frôlé le pot d'échappement, lui. Ah bah là, littéralement. Hein. Par contre, remonte le petit kart, remonte. Pas si loin que ça. Ah, il y a carrément des lasers maintenant chez Bowser. Il a passé le niveau supérieur de maître du donjon du mal là. Et ils m'ont quand même laissé la prendre là. Oh, ça me remet en avant, c'est pas mal. C'est pas la pire chute du monde. Oula, 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 oula. Non. Ça me permet de garder un avantage. Oh, putain. Celle-là, je l'ai pris, celle-là. Ok, ça peut peut-être se rattraper encore cette histoire. Ou pas. J'arrive pas à garder de pièces du tout sur celle-là, c'est ignoble. Putain. Je me suis laissé avoir lamentablement. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, puis là, j'ai roulé droit dans la lave. Non, on va se battre pour... Ouais, non, ils veulent l'avoir. On va se battre pour la deuxième place, c'est vrai. Il l'a eu. J'aurais dû déraper à la fin. J'aurais peut-être pu gratter des boosts. On a toujours une avance assez large.
Et du coup, là, on arrive sur la route arc-en-ciel. Donc là, l'avance, je vais la perdre. Mais ouais, ouais, ouais. Mais c'est, elles sont, je les trouve toujours hyper sympas. Ils pètent des délires. La version Wii, elle était super sympa, la route arc-en-ciel. Mais je pense qu'un jour, ils vont faire une coupe qu'ils vont appeler arc-en-ciel. T'auras que les routes arc-en-ciel du rétro jusqu'à une version neuve, tu vois. Ce serait assez fun, je pense, ouais. Ah, oh, un poil trop tôt. Ah bah là, ok, ils sont serrés les tournants. Non, 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 oh là là. Oui, 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 oui. Non, non, non. Les bottes sont vénères, hein. Ça tourne beaucoup sur celle-là, c'est assez drôle. Par contre, l'autre qui est devant, je ne le vois pas du tout. Ah non, c'est moi qui suis passé devant, d'accord. Ok, ok. Parce que j'avais encore écrit deuxième jusqu'il n'y a pas longtemps. Carapace bleue qui part, c'est ça. Ok, le dernier tour, faut s'y mettre. L'un derrière l'autre, hein, c'est... Ça t'a donné une idée au moins. Ça c'est l'instant de karma. Ah, ça, ça plaît. Il y en a deux qui sont partis d'un coup. Ok, ok. Ok, ok. Pour l'instant, ça se maîtrise. Oh non. Oh non. Dieu, tu t'accélères, accélère. T'as réussi à le choper à la fin, nice, c'est bon ça. Ah, du coup, tu m'as à 2 points. Cette déception. Je crois que c'est à un moment, j'ai dû faire 3ème, je crois. Bon, on en fait un petit dernier ou on fait combien? Allez, on est sur 1h30, on va faire un petit dernier pour le live. Là, on va changer aussi pour la petite dernière. Tiens, Marie, le petit chien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, une santé, des rétros, c'est marrant ça.
Non, mais c'est celle-là pour la descente givrée, ça a l'air sympathique. C'est les nouvelles avec plusieurs segments au lieu de tours, c'est ça, ouais. Ouais, triple segment. Comme ils ont fait avec justement Mute City. Hein. Attends, avec un kart rétro en plus, c'est tout. Ouf, ça je vais le prendre cher. Nice. J'ai fait exprès de pas redémarrer pour t'avoir avec moi. Je suis ignoble. Oh, tu m'as eu comme ça tout à l'heure, c'est la revanche. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça se protège, c'est bien ça. Oh non. Ah, je pourrais pas t'avoir sur celle-là, même si je voulais. T'es un petit peu trop loin. J'ai voulu glisser la banane à l'arrière sur le truc. C'est pas passé. Oula, même ça, je suis pas sûr de l'avoir. Hein. C'est bon. Bon, elle est sympa comme course, j'aime bien. C'est plutôt sympa comme truc l'aéroport. Ils ont vraiment joué le coup de faire des petits morceaux d'environnement un par un comme ça, contrairement aux autres où t'avais vraiment juste un peu une ambiance. Là, t'as vraiment des maps plus travaillées, je trouve. Oh, c'est ambitieux comme ligne de départ, ça. Oh mais non. Tu t'es repris ta verte en retour, c'est ça? Ça c'est les tirs de sniper qui tournent mal. Non non non. Alors, moi j'ai loupé mon jump. Thank you.
J'ai foutu un champ de bananes ici, du coup, avec le premier tour. Ok. Ok, ça passe, ça passe. Non, oh non. Bonne journée à vous, au revoir. Oh non. Et. Non, donne-le moi. Oui. Je voyais les autres se rapprocher, là, Yoshi carré avec sa tête de nœud là. C'est marrant, on a l'impression ils font le bruit de quand ils parlent, mais en mode noyé. Sur... Je profite. J'avoue. Les années disco avec Mario. Ils ont des fois des idées cheloues pour les courses. Mais ça marche bien en plus. Hein. Ah d'accord, c'est pas un... c'est un segment de course différent aussi. Ouais, il a commencé à... Il a commencé à s'accrocher sec. Ok, j'ai été immunisé, c'est plutôt pas mal. Oula, ça... Non. Ah non, pour l'instant non. Non, non, pour l'instant il a l'avantage. Mais on va changer ça. On va essayer du moins. Garder une protection. Et là tu vas voir que je vais avoir les boules parce que toi tu vas pas te prendre deux bleus. Moi j'aurais un truc comme ça, j'aurais déjà pris deux bleus dans la tronche. C'est moi. C'est moi, Animal Crossing. Oh non! Tout à l'heure, j'ai pris un Yoshi rose avec carte rose et tout. Je suis parti full Freddy Mercury là. C'est ça. Jusque-là, ça me réussit pas vraiment en fait. Il y en a bien qui ont gagné l'Eurovision comme ça. Je vais peut-être gagner le concours des streamers avec ça. Il y a quelqu'un qui a une belle robe à paillettes. Il paraît tenu le titre. Ouais. Le beatbox là.
il me manque du contexte, du coup c'est très drôle comme conversation là. J'ai vu sur la photo, t'es très souple. Oui, d'accord. Explication ou on va juste laisser ça couler ici? Oh non, 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 je vais me faire griller là-dessus. Allez, accélère, 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 accélère. Ouh. Ouais, non, cet après-midi, c'est accreux, hein. Non, c'est accreux. Mais j'ai quand même eu un follow, il y avait du monde au départ un peu. On a fait une dizaine de personnes, il y a quelqu'un qui m'a follow en plus, mais sinon... Là, ça fait, ouais, ça fait un petit quart d'heure, c'est... En même temps, c'est le truc à faire. En général, si on va bientôt arrêter. Quand tu dis ça, il y a des gens, ça... Allez, allez. C'est parti. Ah, putain, c'est stylé, ça. C'est très, très classe, ça. Ça, ça m'a sauvé la vie en soi. Pour ceux qui veulent jouer à ce type, voilà. Il y a ce type sur Switch. Mais d'ailleurs, il devait sortir ce type sur Switch et ils ont annulé. Parce que je l'ai eu gratuitement moi sur Uplay. Ah, c'est possible, ouais. Et là, je l'ai chopé gratuitement sur Uplay. Hein. Ils l'ont fait pendant un moment et on y était avec des amis, c'est super agréable, franchement. Des fois tu fais même pas de mission, tu prends juste une... tu te TP parce que t'as les hélicos, tout ça. Tu montes à un endroit tranquille et tu fais une descente juste entre potes comme ça, c'est vraiment super sympa. Tu cales des petits trucs, tu trouves des endroits. Un jour on est tombé sur du hors-piste, mais vraiment chelou, on a continué là-dessus. C'était très marrant. D'accord. Ça passe. Allez, à gauche. Oula, d'accord. Ça tourne sec ici, en fait. Il faut que je ressorte du cirage avec ça. Oulala, oulala. Je me suis perdu dans les arbres assez sèchement. Il y a quelqu'un qui arrive en missile. Sixième. Ça, ça pue. Donne-moi un truc, le jeu. Ok, moi je remonte, c'est bien. Je reste full en terrain dangereux quand même, mais... Ok, on va essayer de le bouffer là-dessus. Ok, ça c'est bon. Allez, 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 allez. On prie, on prie. Nice. Il croit, mais non. C'est... Ok. Bah super sympa la course en 3 segments comme ça. Bon ouais, du coup, merci pour les gens qui sont passés sur le live. Donc on était sur le test Switch Up avec la manette de PS4. Donc on a ici petit boîtier, voilà. Mais c'est vrai que c'est là maintenant. La clé USB du coup Bluetooth avec le petit bouton, vous voyez, on est comme ça, voilà, le petit bouton de gauche qui permet de lancer l'appairage. Il y a toujours une commande pour faire l'appairage avec la manette. Vous les reliez, en fait, ça devient une manette pro de Switch en fait. Il est reconnu comme une manette câblée et tout ça, et ça marche très très bien. On vient de faire tout le live avec, ça répond bien. La fonction gyroscopique fonctionne, tout ce qui est mouvement, tout ça, et ça marche nickel. Juste n'oubliez pas, voilà, de faire la mise à jour de départ, sinon vous aurez peut-être des petits bugs. Elle est importante, ouais, parce que ça marche super bien. Allez, salut, à tout à l'heure pour le stream. On repart sur Roninaki ce soir, on le commence tous ensemble. Bye, à bientôt pour le magasin.